J'ai un mauvais pressentiment. Où sont-ils tous ? Ah, enfin un peu d'action. Pas trop tôt. Savonarola m'avait prévenu que certains contesteraient notre autorité. J'ai donc conçu ce piège afin de neutraliser quiconque serait assez stupide pour jouer les héros. C'est à la fois divertissant et efficace. Que la fête commence ! Quel spectacle ! Je me demande combien de temps tu vas rester. Il y a quelques jours, un autre a réussi à accomplir 36 hommes. Et puis, le pauvre a fini par s'incliner. Intéressant. Chaque jour, immanquablement, d'autres collègues se présentent. Et les anticonformistes, même les contents, des révolutionnaires, des rebelles. J'ai tout vu et tout entendu. Mais ça n'est qu'un prétexte. Dois-je croire que tu es le champion? Un héros venu libérer la cité? Un chef rebelle déterminé à inaugurer une nouvelle ère. Un homme qui se bat pour la justice, la liberté. Hein? Ce sont là les mensonges. Il s'agit bien de cela. Ce sont des mensonges. Quoi que vous prétendiez, vous êtes tous ici pour la même raison. Vous cherchez quelque chose. La célébrité. Une récompense physique, spirituelle ou les deux. Toi, que cherches-tu? Tu souhaites t'attirer des éloges? Peut-être faire pénitence? Ton père a-t-il maltraité? Votre enfant sont-ils malmenés? Es-tu un prétendant éconduit? Je vais te mettre en charpie! Pour quelle autre raison porterais-tu une capuche? Pourquoi cacher ton visage et à toi-même? Je vois que tu n'y arrives pas. Les paroles ne font qu'exciter la fureur qui est en toi. Tuez-le! Allez! Tu es un homme mort! Tu vas payer cher. Moi! On va te saigner comme un vulgaire cochon et te faire rôtir sur la grande place! Toi! Tu es mort! Mettre en charpie, Tronto. Alors, tu attends l'autre. Thank you.
était. Un homme orgueilleux et cruel. Non. Tu étais sous l'emprise de Savonarola. Je crois que j'ai simplement goûté au pouvoir et que je me suis laissé enivrer. Si seulement je pouvais expier mes fautes. Que Dieu t'entende. Je suis sincèrement désolé, mais c'était le seul moyen. Requiescat in pace. Ami, je peux soigner vos oignons, l'urine de mouton et les... Bientôt, vous irez beaucoup mieux. C'est pourtant simple, mes amis. Vous voulez être soigné? Dans ce cas, vous devez d'abord vous soumettre à notre nouveau souverain. Continuez de soutenir les Medici qui, comme vous le savez, se sont enfuis de Florence il y a longtemps. Ou accueillez Savonarola. Pourquoi résister? Pourquoi ne pas admettre la vérité? C'est un homme bon, charismatique et droit. Il ne cherche qu'à nous sauver de nous-mêmes.
et nous avons besoin d'être sauvés. Avant que Savonarola ne vienne à nous, nous étions en proie au péché, gourmandise, luxure, orgueil, avarice. Dois-je continuer ? Nous ne pensions qu'au bien matériel et au plaisir de la chair. Nous esquivions le regard du Seigneur, et pour cause, nous avions trop honte de nos actes. Voilà pourquoi vous souffrez, pourquoi vous êtes... Tu as versé le sang d'un guérisseur. Non, j'ai versé le sang d'un tyran. J'ai cru avoir droit de vie et de mort sur mes semblables. J'ai cru pouvoir décider de qui passerait dans l'autre monde. Je crois que je me suis laissé endormir. Ton sommeil sera éternel. Je puis t'assurer que tu ne seras pas mort en vain. Requiescat in pace. Je dois partir. C'est un saltimbanque, c'est ça? Je vous dis à bientôt, signore. Pas non plus sans risque. Rien de plus facile que de se casser une jambe. Non, reculez! Arrêtez! Bon travail, Ezio. Que va-t-il se passer? Regarde. Silence! J'exige le silence! Pourquoi êtes-vous ici? Comment osez-vous me déranger? Vous devriez purifier vos foyers! Purifier vos âmes! Il y a tant
de bûchers à nourrir, de prières à réciter, de péchés à confesser. Vous ferez ce que je vous ordonne. Vous vous soumettrez. Non. Homme n'est sûrement pas loin. Trouve-la. Allez, approchez. Descends ou c'est moi qui vais descendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour toi, ce sera le châtiment habituel. Et ma soigne tout. Voilà. Je t'ai vu guérir. Ça te va? Chers amis, ici, vous ne trouverez pas de... J'espère à bientôt, c'est... dans nos murs. Notre glorieuse République. Nous sommes fiers de proposer des articles d'excellente facture à des prix raisonnables. Les habitants de Pise se sont rassemblés en masse pour défier une nouvelle fois Florence. Les jeunes hommes de la ville auraient même montré leur postérieur à notre honorable délégation. Dieu punira ce sacrilège! Vous n'avez pas le droit de traiter son prophète de la sorte! Vous êtes des impies, des hérétiques, vous brûlerez tous en enfer! Vous m'entendez? En enfer! C'est de l'heure et souffrance. Je suis accablé et privé de l'aide de tous. Moi qui ai offensé la terre et le ciel. Vous me tournez. Auprès de qui me réfugier? Qui aura pitié? C'est toi. Je savais que ce jour arriverait. Je t'en supplie. J'implore ta pitié. Tu l'as. Tu peux partir. Tu vas bientôt comparaître devant ton Dieu.
Requiescat in pace. Écoutez-moi! Écoutez-moi! Il y a 22 ans, je me trouvais à cet endroit. J'ai vu ceux que j'aimais mourir, trahis par ceux qui étaient mes amis. La soif de vengeance me rongeait. Elle m'aurait consumé. Sans la sagesse et le soutien d'une poignée d'étrangers qui m'ont appris à contenir ma rancœur. Ils ne m'ont pas apporté de réponse, mais ils m'ont aidé à les trouver moi-même. Personne ne doit nous dicter notre comportement. Ni Savonarola, ni les Medici. Nous sommes libres de suivre notre chemin. Il y en aura toujours pour nous priver de cette liberté. Je vous accorde qu'ils sont trop nombreux. Mais c'est uniquement notre libre arbitre, peu importe comment nous l'exerçons, qui fait de nous des hommes. Aucun livre, aucun professeur n'apporte de réponse. Il y a plusieurs chemins. À vous de trouver le vôtre. Ne me suivez pas. Ne suivez personne. Leonardo. Ezio, content de te voir. Que puis-je faire pour toi? Tu en as trouvé une autre. Très intéressant. Il faut juste remplacer cette lettre, déplacer ceci, et je crois que... c'est bon. Qu'est-ce qui se passe, là? Le flux de données est endommagé. Non, attends. En fait, il est incomplet. Ce sont les pages du Codex. Apparemment, Ezio les avait toutes au moment de cette mémoire génétique. Génial! Et je fais comment pour les trouver? Attends. Je crois qu'Ezio a une carte sur lui. Il a dû mettre la main dessus pendant l'une des séquences endommagées. Apparemment... elle affiche l'emplacement de toutes les pages du codex manquantes.
Nos articles sont... Bien, disons qu'habituellement, mes clients ont... Jetez un coup d'œil sur les derniers modèles. Ce n'est pas grave. Une autre fois, d'accord? J'accueille tous ceux qui ont... Si vous avez besoin, je suis ici pratiquement. Je vends tous mes articles à prix réduit. Vous ne... La prochaine fois. Personne t'a demandé de venir. Va-t'en. Buonasera. Laisse-moi t'enseigner quelques rudiments de survie en milieu hostile. La réputation de nos articles n'est plus à faire. Leonardo. Ezio, content de te voir. Que puis-je faire pour toi? Tu en as trouvé une autre. Très intéressant.
Vers le haut, ensuite on inverse le tout, et voilà. Salut, Claudia. Tu veux consulter le livre ? À bientôt, Ezio. L'heure est venue, mon oncle. Il est grand temps de finir ce que vous et mon père avez commencé il y a tant d'années. Oui. Nous allons peut-être enfin saisir le sens de cette mystérieuse prophétie et déjouer les manœuvres de l'Espagnol par la même occasion. Il faut commencer par trouver le sanctuaire. Les pages du Codex nous mettront sur la piste. Étudions-les.
C'est une carte du monde, mais elle indique plusieurs contrées qui n'existent pas. Il faut pourtant croire qu'elles existent. Je suppose que ces terres restent à découvrir, ou à redécouvrir. Comment est-ce possible ? La réponse se trouve peut-être dans le sanctuaire. Vous voyez où il peut se trouver ? Non. C'est impossible. Le sanctuaire. Le sanctuaire se trouverait à Rome ? Alors l'Espagnol. C'est pour ça qu'il s'est fait élire pape. Oui, tout c'est clair. Non seulement il se rapprochait du sanctuaire, mais il mettait la main sur le bâton. Quel bâton ? D'après le Codex, il existe deux clés. Deux fragments d'Éden qui permettent d'ouvrir le sanctuaire. Le premier est la pomme. Et l'autre clé, c'est le bâton. Alors le bâton papal est le deuxième fragment d'Éden. Pendant des années, pendant toutes ces années, nous avons cherché des réponses. Et nous venons enfin de les trouver. L'Espagnol en sait peut-être autant que nous. Si c'est le cas, s'il trouve le moyen d'accéder au sanctuaire, en comparaison, le pouvoir de la pomme nous semblera insignifiant. Je vais me rendre à Rome et trouver ce sanctuaire. Que comptez-vous faire ? Ce que nous savons faire de mieux. Nous allons semer la confusion dans la cité. Ainsi, tu auras le champ libre pour te livrer à des recherches. Fais-moi signe quand tu seras prêt à partir, Ezio. Rome nous appelle, Ezio. Fais-moi savoir quand tu seras prêt à partir. La
l'ai déjà vu. Attention! Soyez dans sa face. Il est à vous! Il est pris au piège! Gardez votre calme! Ne tombez pas dans son piège! Prenez le temps! Gardez votre calme! Ne tombez pas dans son piège! Essayons la ruse habituelle! Il est à vous! Ne tombez pas dans son piège! Par l'arrière! Allez, maintenant! Soyez patient! Occupez-le! Profitez-en pour le contour! Assassin! Assassin!
Suivez-moi! Merde! Je ne le vois plus! Parfait! Il se dirige droit vers nos quartiers! Ne restez pas là! Poussez-le! Il va nous suivre! Il n'ira pas loin! Joli cap, on dirait un poulet. Il va bientôt se faire plumer. Allez, ça va. Merde, je ne le vois plus. Viens, mon ami, viens. Allez. Elle a trouvé. Attends, restez prudent. C'est gros. Non. Il est mort. Allez. Attention. Soyez patient. Non, c'est de la folie. Je ne dois pas rester là. Je m'en vais. C'est de la folie. Ils ont tous perdu la tête. Je rentre chez moi. Je ne veux pas être mêlé à ça. Là. Je dois pas traîner ici. Ah, diable, cela ne me concerne en rien. Si
Credo in unum Deum Patrem Omnipotentem, Factorem Celi et Terrae, Visibilium Omnium et Invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei Unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Verum de Deo Vero. Geritum non factum consubstantiarem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est, et Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus, et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris. Iterum venturus, et cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et Vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filius simul adoratur et congregificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam Sanctum... Je croyais valoir mieux que ça. Je me suis trompé. J'ai attendu si longtemps. J'ai tant perdu. Requiescat in pace, pauvre fou. Ce n'est pas mon heure. Devrait être mort. Je vois. C'est gentil de m'apporter la pomme. Donne-la-moi. Jamais plutôt mourir. Tu ne changeras jamais. Tu es comme ton père. Eh bien, réjouis-toi, mon enfant. Tu vas bientôt le rejoindre. Tu vas me la donner. Comme tu voudras. C'est fascinant! Quelle puissance impressionnante! Mais si tu crois que ça va te sauver, tu te berces d'illusions! Je vais te terrasser, assassin! Tu ne peux pas m'arrêter. Tu as raison de me craindre. Non, je ne te laisserai pas tout gâcher. C'est terminé, Rodrigo. Si tu déposes les armes, je te promets une mort rapide et sans douleur. Vraiment, Ezio. Si tu étais à ma place, renoncerais-tu aussi facilement? Nous allons bientôt le savoir. Je vais m'occuper de toi.
Quel est cet endroit ? Tu vas t'ouvrir ? Ouvre-toi ! C'est terminé, Rodrigo. Fini les ruses. Fini les vieilles reliques. On oublie les armes. Maintenant, on va voir si tu as du grand vieux fou. Très bien, alors. Si c'est comme ça que tu veux te battre. Pourquoi t'intéresses-tu au sanctuaire, Rodrigo ? Ainsi, tu ignores ce qu'il renferme. Ne me dis pas que vous autres, assassins tout puissants, ne l'avez pas encore compris. Nous n'avons pas compris quoi ? Ce sanctuaire, c'est la demeure de l'Éternel. Attends, voudrais-tu me faire croire que Dieu vit dans les sous-sols du Vatican ? C'est quand même plus plausible qu'un royaume dans les nuages, tu ne crois pas ? Tu l'imaginais vraiment entouré d'anges et de chérubins qui chantent ? C'est une bien belle image. La vérité est autrement plus intéressante. Admettons que tu dises vrai. Comment crois-tu qu'il réagira quand tu ouvriras la porte ? Je m'en moque. Je n'ai pas besoin de sa bénédiction, mais de son pouvoir. Et tu crois qu'il te le cédera ? Quoi qu'il se trouve derrière ce mur, rien ne peut résister au bâton et à la pomme. Ces reliques peuvent vaincre les dieux. Par définition, Dieu est connaissance. Il est tout-puissant. Tu ne penses quand même pas l'inquiéter avec de vieilles babioles ? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu imagines le Créateur tel que décrit dans des textes archaïques, qui sont de surcroît rédigés par des hommes. Tu es le pape ! Et tu remets en question le livre fondateur de ta religion ? Quelle désolante naïveté ! Je suis devenu pape pour avoir les mains libres, pour le pouvoir. Je ne crois pas un piètre mot de ce recueil inepte et grotesque. Il n'est que mensonge et superstition, tout comme les autres textes religieux écrits au cours de ces 10 000 dernières années, d'ailleurs. C'est impossible ! Tu ne peux pas ! C'est ma destinée ! La mienne ! C'est moi, le prophète ! Ça, c'est ce que tu crois. Très bien, finissons-en. Non. Je pourrais te tuer, mais ça ne ferait pas revenir ma famille. C'est fini. En ce monde, rien n'est vrai. Tout est permis. Requiescat in pace. Le bienvenu. Nous t'attendions, prophète. Laisse-nous la voir. Lui rendre grâce. Nous devons parler. Qui êtes-vous ?
j'ai plusieurs noms. À ma mort, j'étais Minerve. Avant cela, on m'appelait Merva ou Mera. Et ainsi de suite. Les autres aussi. Junon s'appelait autrefois Uni. Jupiter, jadis connu sous le nom de Tinia. Vous êtes des... dieux ? Non, pas des dieux. Simplement, nous étions là, avant. Les hommes se sont toujours efforcés de comprendre notre existence. Nous étions plus évolués que vous. Vous n'étiez pas encore prêts. Non, ça n'a pas changé. Peu importe. Vous ne nous comprenez peut-être pas. Mais vous devez entendre notre mise en garde. Il le faut. Vous tenez des propos qui n'ont aucun sens. Nos paroles ne te sont pas destinées. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a personne d'autre ici. Assez. Ce n'est pas à toi que je parle, mais à travers toi. Tu es le prophète. Tu as accompli ton devoir. Il est en toi. Mais fais silence, s'il te plaît. Laisse-nous communier. Écoute. Quand nous étions encore de chair, que notre monde était encore pur, tes semblables nous ont trahis. Pourtant, nous vous avions créés. Nous vous avions donné la vie. Nous étions forts. Vous étiez nombreux. La guerre était inévitable. Nous étions si occupés par ce qui se passait sur Terre que nous avons oublié de regarder vers le ciel. Il était trop tard. Le monde fut la proie des flammes, réduit en cendres. Mais ce n'était pas la fin. Nous vous avions créé à notre image. Vous étiez nés pour survivre. Oui, tout comme nous. Nous n'étions plus qu'une poignée, vous aussi. Cela a exigé des sacrifices, de la force, de la compassion. Mais nous avons tout reconstruit. Et quand la vie est réapparue, nous avons tout fait pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Mais nous sommes en train de mourir. Et le temps joue contre nous. La vérité s'est changée en mythe puis en légende. Notre œuvre est incomprise. Laisse-moi délivrer notre message, qu'il subsiste une trace de notre déclin. Mais je veux aussi t'apporter l'espoir. Tu dois trouver les autres temples. Ils ont été bâtis par ceux qui refusent la guerre. Ils ont essayé de nous protéger, de nous sauver des flammes. Si tu peux les trouver, si leur travail peut être sauvé, alors le monde survivra. Mais vite, le temps presse. Méfie-toi de la croix. Nombreux sont ceux qui se mettront en travers de ton chemin. J'ai terminé. J'ai délivré mon message. Maintenant, nous pouvons partir. Tous ensemble. Un cycle s'achève. L'avenir est entre tes mains, Desmond. Quoi ? Qui est Desmond ? Je ne comprends rien. Ne partez pas ! J'ai tant de questions ! C'est pas vrai ! Ils seront là dans moins de 10 minutes. Il me faut tout mon équipement. Et partir avant qu'ils arrivent. Desmond. Ouais, ouais. Ok, Sean, toi et Rebecca, vous allez rassembler tout le matériel et le mettre dans le fourgon. Toi et moi, on s'occupe des Templiers. Quoi, ils sont ici? Tôt ou tard, ils auraient fini par nous retrouver. Franchement, je m'attendais à les voir débarquer plus tôt. Allons-y.
Alors, c'est quoi le plan? On quitte le navire et après on fait quoi? Nous avons une autre plan. Elle, on a de la compagnie. Le fourgon n'est pas loin. Monsieur Miles, on dirait que les événements prennent une tournure assez inattendue. Moi qui pensais qu'il faudrait envoyer d'autres hommes pour vous coincer. C'est gentil de me faciliter la tâche. Vous voulez quoi, Vidic? Vous voir rentrer à la maison. Vous nous avez tellement manqué. Et nous avons tant de grandes choses à accomplir ensemble. N'y comptez pas trop, Warren. Mademoiselle Stillman, décidément vous n'en finissez pas de me décevoir. Je vous ai pourtant sauvé la vie, je crois. Vous avez oublié. C'est comme ça que vous me remerciez? Vous m'avez sauvé uniquement pour continuer vos expériences sur des innocents. Vous avez détruit des vies. Et pourquoi? Oh, voilà que vous me resservez ce vieux discours. Dites-moi, si je me rappelle bien, vous étiez de mon côté il n'y a pas si longtemps que ça. Vous m'épauliez dans mon travail. Nous avons tous les deux du sang sur les mains, vous comme moi! Tu dois à tout prix l'arrêter. Je m'en charge. Eh bien, Doc, on dirait que c'est entre vous et moi, maintenant. Savourez votre victoire, Monsieur Max, car elle sera de courte durée. Desmond, il faut partir! C'est pas trop tôt. Allez, aide Lucie à monter dans le van. Vite, Desmond, il faut y aller! Nous le retrouverons, Desmond. Un jour, Warren aura ce qu'il mérite. Je te le promets. Et maintenant, où est-ce qu'on va? On a une planque au nord. On pourra s'y cacher. Du moins, pendant quelques temps. Je dois analyser les séquences de ta session et comprendre ce qui se passe. Et ensuite? Et voilà, j'ai fini de tout installer. C'est une longue route qui nous attend. Alors je me suis dit que tu aimerais passer un peu de temps dans l'Animus. Parfait, mais d'abord j'ai des questions. C'est quoi que j'ai vu dans le sanctuaire? Ce que tu as vu confirme toutes mes craintes. Les Templiers ne sont pas notre pire menace. Loin de là, c'est clair. Alors quoi? C'est le soleil? Qu'est-ce qui va se passer? La Terre va rôtir? J'en doute, mais c'est possible. Des études ont montré que le champ magnétique de la Terre diminuait. Un vent solaire suffisamment fort pour réinverser les pôles et provoquer un renversement géomagnétique. Tout cela est théorique. Mais si ça arrivait, la planète serait géologiquement instable. Très instable. Ça ressemble au scénario d'un film catastrophe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est arrivé quelque chose à la toute première civilisation. Et cette femme, son nom, Minerve, c'est ça? Elle avait l'air de penser que ça allait se reproduire. Donc quoi qu'on fasse, on est foutus. Je dirais pas ça. On va étudier les dernières séquences. Et tu vas continuer à explorer tes souvenirs. On a encore des choses à découvrir. Très bien. Je vais m'y mettre tout de suite.
Salut, Claudia. Tu veux consulter le livre ? À bientôt, Ezio.